Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport à ma chaîne YouTube, je vais vous parler donc de l'impression 3D. J'ai récemment fait l'acquisition d'une nouvelle imprimante 3D. Ça fait pas mal de temps que je travaille avec et je voulais vous en parler. Alors pour commencer, j'ai acheté celle-ci sur le site qui s'appelle technologieservice.fr. Ce qui est pas mal avec ce site internet, c'est que celui-ci, vous allez avoir vraiment des personnes qui vont être en face de vous parce que l'imprimante que j'ai achetée, c'est une imprimante chinoise. Donc, si vous ne parlez pas anglais, c'est un peu compliqué pour discuter avec les personnes. Là, au moins, on tombe sur des professionnels qui peuvent vous donner pas mal de conseils, pas mal d'astuces pour pouvoir évoluer. Celle-ci, c'est une aventure. J'ai voulu prendre une imprimante qui soit complètement fermée. De toute façon, je n'aime pas les imprimantes à monter soi-même. Bon, je ne suis pas assez bon en bricolage pour faire ce genre de choses. C'est souvent pas compliqué, mais je n'ai pas envie pour l'instant. Donc, c'est une aventure 3. Hop, donc c'est, on va prendre celle-là. Vous voyez, elle est à 399 €, donc 478 toute taxe. Franchement, c'est un beau petit produit. Alors effectivement, hein, celui-ci a un coût, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir vraiment modéliser plein de trucs hyper intéressants. Si on regarde ici les caractéristiques, ce qui est pas mal, c'est que j'avais avant une imprimante de type FlashForge 3D Printer, et celle-ci, elle n'avait pas assez de finesse, donc je n'arrivais pas à avoir des pièces comme je voulais. Là, avec celle-là, on va un peu plus loin, et surtout, ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'ABS. L'ABS est un peu comme de la matière, là si je vous montre, vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. Donc là, évidemment, je fais différents tests parce qu'il y a quand même pas mal de choses à apprendre et à assimiler. Moi, dans mon cas, je vais utiliser FlashPrint, qui est tout à fait honorable et qui nous permet de faire des trucs très intéressants. Voilà, donc j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était une vidéo assez courte, je vous l'accorde. Pour la prochaine vidéo, ça va être le déballage de celle-ci. Comme ça, je vais vous montrer, j'ai filmé avec mon iPhone. Je vous ai fait quelques commentaires, quelques remarques par rapport à celle-ci. Comme ça, au moins, vous aurez des informations complémentaires ou supplémentaires si besoin. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.